Ça y est, on se retrouve enfin pour ce deuxième épisode sur la Grèce. Alors, depuis le premier épisode, il y a eu beaucoup de nouveaux. Je vous suggère tout de suite d'aller regarder là-haut le premier épisode si vous ne l'avez pas vu. Sinon, c'est parti pour le deuxième épisode. Oui, alors pour ce deuxième épisode, comme je vous l'avais dit, nous allons partir sur Alexandrie. Mais avant d'arriver à l'époque d'Alexandrie, il s'en est passé des choses en Grèce. Il faut savoir que la Grèce est notre berceau à tous, à tous nos pays, tout ce bassin méditerranéen. Nos ancêtres nous ont laissé leur savoir, leurs connaissances dans tout un tas de domaines. Mais il s'en est passé des choses et des choses graves. Ça ne s'est pas fait tout seul. On regarde ça tout de suite. Nous sommes dans des siècles obscurs, avec ses guerres, ses rébellions, les incendies, l'invasion de mystérieux guerriers, les Spartiates. Avec la peur qui s'installe, les habitants assistent impuissants à la destruction de leurs récoltes qu'ils voient partir en fumée. Et ce, sous le règne de Périclès. La ville d'Athènes peut toujours compter sur sa flotte et sur les marchandises expédiées depuis l'étranger. Malheureusement, à bord des navires, se cache une menace plus terrible encore que les Spartiates, car après un an de conflit, les vaisseaux chargés de céréales et autres denrées portent dans leurs cales une cargaison imprévue, le bacille de la peste. Très vite, Athènes est ravagée par cette épidémie. Périclès n'avait pas prévu une telle catastrophe. Pourtant, en ces temps de surpeuplement, c'était sûrement prévisible. Mais bon. Le résultat a été épouvantable. L'épidémie se répand comme une traînée de poudre. Les symptômes sont horribles, comme en témoigne l'œuvre de l'historien Thucydide, qui les décrit en détail. En général, on était frappé sans aucun signe précurseur, mais à l'improviste. D'abord, on ressent une vive chaleur de tête, les yeux devenaient rouges et enflammés, puis le mal descendait dans les intestins, produisait de fortes ulcérations, suivies d'une diarrhée opiniâtre. Ce fléau sévissait avec une violence irrésistible, les victimes prises d'une soif irrépressible et brisées par la fièvre rampent jusqu'à l'intérieur des citernes d'eau pour y mourir. Thucydide assiste à des scènes déchirantes dans les rues. La peste emporte plus du tiers de la population d'Athènes et elle frappe aussi l'homme le plus emblématique de la cité, Périclès. Nous sommes en 429 avant Jésus-Christ. Sa mort a des effets considérables. Il s'avère très vite que le bon fonctionnement d'Athènes reposait sur un homme irremplaçable, celui qui vient de mourir. Puis viennent des guerres et défaites des Athéniens, où ils perdirent tout. S'ensuit la famine. Toutes les prières restent sans effet et le déclin d'Athènes est indiscutable. Sa population décimée par la peste et par la guerre est assiégée et affamée. Athènes finit par se rendre et les vainqueurs sont sans pitié. Les hautes murailles qui protègent la ville seront abattues et le reste de la flotte détruite. Seuls 12 navires seront conservés. C'est la fin de la suprématie d'Athènes. Mais il faudra une ultime manifestation de vanité et de violence pour que les Athéniens commencent à se racheter une conduite et pour que leur ville renaisse de ses cendres. Pour l'heure, humiliés et privés de leur empire, ils cherchent un bouc émissaire pour expliquer leur défaite. Pour eux, il y a un ennemi à l'intérieur même de la cité. Un homme qui a osé contester leur rêve de suprématie. Cet homme, c'est Socrate.
emprisonné lors d'un retour de bataille en mer, Socrate est un esprit critique aux yeux de ses citoyens. Pour eux, il a clairement affaibli les valeurs de la société et sapé son ambition. Alors les Athéniens vont juger l'homme qu'ils perçoivent comme un danger important. Socrate sera jugé sur la place, par un tribunal où les membres seront tirés au sort. De nos jours, un tel procès nous paraîtrait inacceptable, impensable. Non. Le philosophe n'a qu'un temps limité pour se défendre, car à l'époque, toutes les plaidoiries sont chronométrées. À l'époque, le temps est calculé à l'aide d'une clepsydre. Une jarre pleine d'eau se vidant régulièrement dans un autre récipient. Socrate ne faiblit pas devant ses accusateurs. Au contraire, il s'entête et explique que ses principes de vie, loin d'avoir corrompu Athènes, n'ont amené que des bienfaits à la cité. Il déclare « Une vie que l'on n'examine pas ne vaut pas d'être vécue par un être humain. » Socrate aurait pu faire ses excuses auprès du tribunal. Il aurait pu être acquitté. Mais non, au lieu de ça, il demande à être nourri en échange de son travail. Au moment du vote, le verdict est sans surprise. Socrate est jugé coupable et condamné à mort. Pourtant, il réagit avec une sérénité et un calme étonnants. Il dit à ses compagnons « Il est temps que nous nous quittions, moi pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous aura le destin le plus heureux? Personne ne le sait, excepté Dieu. » Socrate est conduit à la prison d'Athènes et avec sa mort, il va transformer Athènes. Il va prouver à ses concitoyens que les principes qu'il défend, l'usage de la raison et la remise en question du monde valent la peine de se sacrifier. Socrate doit être exécuté selon les traditions athéniennes, en buvant la ciguë. Un poison extrêmement douloureux car il paralyse progressivement le système nerveux central. Mais tandis que l'heure de l'exécution approche, Socrate continue de dialoguer avec ses amis comme si de rien n'était. Il leur dit « C'est en cet instant que la destinée m'appelle. C'est en effet l'heure pour moi d'aller au bain, car je crois qu'il vaut mieux prendre un bain avant de boire le poison et épargner aux femmes la peine de laver un cadavre. » Mais ses amis sont bouleversés. Voici le récit de l'un d'eux, le Phédon de Platon. J'ai eu beau me contraindre, mes larmes s'échappaient à flots. Alors je me voilais la tête et je pleurais sur moi-même. Tous les disciples avaient le cœur fendu, excepté Socrate lui-même qui dit « Que faites-vous là, étrange ami? J'ai toujours entendu dire qu'il fallait mourir sur des paroles de bonnes augures. Soyez donc calme et ferme. » Socrate s'allonge sur sa couche en attendant que le poison fasse son effet. Ses amis l'observent en silence. Il ne meurt pas pour la gloire ou la renommée, mais pour ses principes, parce qu'il pense que l'homme doit constamment interroger le monde qui l'entoure. Ses disciples n'oublieront jamais cette leçon. Socrate, par sa vie et sa mort, devient un héros grec, du nouveau genre. Désormais, le héros est un homme de conviction, qui suit exclusivement ce que lui dicte sa conscience intellectuelle. C'est une façon inédite de concevoir l'humain. Pendant des siècles, les Athéniens ont cru en un seul idéal, celui du héros guerrier. Mais après avoir vécu l'humiliation de la défaite et le combat d'une pandémie de la peste, ils découvrent une nouvelle figure emblématique à vénérer, Socrate. Des effigies ont été retrouvées parmi les ruines de la prison d'Athènes. Peut-être des offrandes faites aux philosophes exécutés.
Son enseignement était capital, à la nécessité d'être critique surtout à l'égard de soi-même, l'aptitude de se remettre en cause, à admettre d'avoir été trop loin par le passé et d'entrer dans une forme de maturité. Les Grecs sont très intelligents. Ils savent bien qu'ils ne peuvent vivre dans le passé, mais ils se nourrissent de leur histoire pour construire leur présent et leur avenir. On aura la Grèce classique, Athènes, Sparte, la démocratie, mais cela va prendre du temps. Sur les cendres et ruines des palais et des royaumes, une nouvelle civilisation va naître. Cette fois, les dons divins ne seront pas réservés à une élite. Tous les Grecs pourront en profiter. C'est le culte de l'individu, la possibilité à chacun de forger sa propre identité. Les hommes se regroupent sur la Grèce en petits villages séparés par des montagnes et côtes rocheuses. En petits comités avec des artisans, commerçants, des hommes qui ont résisté au siècle obscur, avec un mode de vie communautaire. Oui, avec un atout non négligeable que les Grecs ont à leur disposition. L'olivier, de l'huile d'olive. Cette huile a de nombreux usages. Cuire les aliments, faire des parfums. Du savon. Mais aussi à s'éclairer. Et malgré l'exigence de cette culture, le temps qu'il faut, la seule adaptée à cette terre, les Grecs n'ont pas peur de se mettre à la tâche. L'olivier demande des années avant une bonne récolte. Il leur faut donc de la patience et être capable de se projeter dans un avenir à long terme. Mais la demande en huile d'olive est très forte. Elle va contribuer à l'avènement d'un nouvel acteur, une civilisation majeure née dans l'une des plus grandes îles de Méditerranée, la Crète. Les Grecs sont aussi de brillants artistes. Poterie décorée, presque peinte et dessinée avec une grande finesse, de toute beauté dans les palais, sans oublier la sculpture. Les voyages et la rencontre avec d'autres peuples et d'autres cultures emmènent des idées, du savoir. C'est un système qui s'auto-alimente. Athènes devient la cité du questionnement intellectuel, un lieu d'études et de débats, où les disciples de Socrate, puis leurs propres élèves, dessineront les contours du monde fondé sur la raison. Ainsi, Platon tentera de former une société idéale. Aristote étudiera la nature, créant ainsi la biologie et la zoologie. Peu à peu, les idées et les travaux de ces penseurs grecs se diffuseront dans tout le monde antique, dans un empire de la pensée. Et les principes socratiques, la raison, la remise en cause des évidences et du monde qui nous entoure s'installent dans la durée. En moins de 2 siècles, la Grèce antique a transformé le monde. Au milieu des ruines, quelques grands personnages ont créé un nouvel empire puissant. Ils ont inventé la démocratie et la politique, la science et la philosophie. Ils nous ont laissé une littérature et un théâtre qui continuent de nous émerveiller. Des œuvres d'art et des monuments impressionnants. Enfin, ils nous ont appris à raisonner et à penser. Si bien qu'aujourd'hui, notre monde est encore pétri de ces avancées extraordinaires, vieilles de plus de 2500 ans.
Athènes s'effondre au profit de la Thessalonique, capitale de la Macédoine. La cité a été un enjeu majeur pour l'empire d'Alexandre le Grand. Nous reviendrons sur la Thessalonique plus loin. Comme je vous le disais dans le reportage sur l'art égyptien, la pyramide de Khéops a été démontée par des marchands de pierre pour bâtir les villes du delta du Nil, donc probablement le phare d'Alexandrie. La Grèce ne cesse de s'étendre et de se construire. De magnifiques bâtiments ont été érigés et illustrent la grandeur et la puissance de ces villes. Des gens de toutes les nations et de toutes les cultures, attirés par les perspectives qu'offraient ces cités, sont arrivés en masse et naissent de grandes métropoles berceaux de l'Occident. Alexandrie, ville légendaire de l'Antiquité, imaginée de toutes pièces par son fondateur le Macédonien, Alexandre le Grand. Après avoir libéré l'Égypte de l'occupation perse, Alexandre décide de construire une cité royale sur la rive ouest du delta du Nil. Sa construction commence en l'an 332 avant notre ère. Mais Alexandre mourra 8 ans plus tard, sans avoir vu son royaume terminé. Pas plus que la bibliothèque qui l'a rendu célèbre. Pendant des siècles, Alexandrie sera la plus grande cité de toute la Méditerranée orientale et la capitale culturelle et intellectuelle de tout l'Empire grec. Le phare d'Alexandrie, visible à une distance de 67 km, avec son éclatante façade en marbre blanc, se dressait à 140 mètres dans le ciel. Il y aura fallu 20 ans d'efforts pour l'édifier. Après la mort d'Alexandre le Grand, la dynastie des Ptolémées apparaît en Égypte. Et oui, n'oublions pas que de 1100 à 753 avant Jésus-Christ, les Égyptiens, les Assyriens, les Grecs et les Romains cohabitaient ensemble. Donc, sous le règne des Ptolémées, la culture grecque s'est épanouie, éclairant de son savoir l'ensemble du monde ancien. Tout comme le phare qu'ils ont construit aura servi de guide aux marins avant d'être démoli par un tremblement de terre 1500 ans plus tard. C'est pour la construction d'Alexandrie que le tout premier réseau d'eau potable est créé. Les ingénieurs de l'époque ont installé un réseau de tuyaux d'argile préfabriqués. Des dizaines de milliers de ces tuyaux ont été installés dans les sous-sols de la ville, avant même que les rues ne soient construites. Qu'il s'agisse d'infrastructures, de réseaux routiers, des sentiers ou de l'emplacement des édifices. Tout a été prévu dans le moindre détail. Un véritable chef-d'œuvre d'urbanisme. Grâce aux aqueducs et un ingénieux système de canalisation, toute une population était alimentée en eau potable. On n'a rien inventé. Dans ces campagnes alentours, l'ancien système d'irrigation est toujours utilisé. Oui, grâce à des roues à aubes. La cité des morts à 20 mètres sous Alexandrie nous le confirme. Ce sont les catacombes de Kom el Shokafa. Taillées à même le roc, de nombreuses caves mortuaires sont découvertes. Ornées de feuilles de vigne grecques et de dieux égyptiens. Ces sarcophages témoignent des rapports entre les premiers immigrants grecs et la population d'origine égyptienne. Une cohabitation pacifique, favorisée par le général Ptolémée, ami intime et successeur d'Alexandre le Grand, puis
viendra Cléopâtre. C'est aussi cette dynastie qui a créé la grande bibliothèque, où tant de gens voulaient venir parfaire leurs connaissances. Comme promis, revenons à la Thessalonique, capitale de la Macédoine, une cité qui a été un enjeu majeur pour Alexandre le Grand. Nous sommes là, à notre époque, la Thessalonique avec sa place Aristote. Dessinée par un architecte français, Ernest Ebrard, qui a reconçu les plans de la ville après l'incendie de 1917. Dessins et plans avaient des perspectives modernes. Thessalonique s'est reconstruite sur ses cendres. Le grand incendie de 1917 a meurtri le village de la ville. En 32 heures, un tiers de la ville part en fumée. 9 500 bâtiments sont détruits. Plus de 170 000 personnes sans abri. C'est le cœur de la ville qui est touché. La nouvelle ville se redessine dans des lignes pures et s'offre de grands espaces. Elle met ses monuments anciens qui ont résisté au feu en valeur. Comme la basilique Sainte-Sophie et l'arc de Galère, qui tous deux célèbrent la victoire de cet empereur sur les Perses. Des monuments qui se dressent au cœur de la ville moderne comme des rois, témoins de l'histoire. Et tout au bout, la rotonde, tantôt église, tantôt mosquée. Et n'oublions pas ces 3,5 km de promenade et de perspectives sur le littoral. Et bien voilà, nous arrivons sur la fin de ce deuxième épisode sur la Grèce. Vous savez, le monde grec a tellement de choses à dévoiler, à raconter, tellement de beauté à voir, que je vous propose peut-être un troisième petit épisode pour finir sur des personnages que l'on ne parle pas en règle générale ou qu'on a peut-être un petit peu oublié. Je vous remercie d'avoir regardé ce reportage jusqu'au bout. L'on termine avec quelques belles images tout de suite. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao, bisous.